DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais de raison de s'exiler. Oui. Parce que nous n'aurons plus, il n'y aura plus de répression au Congo pour des opinions politiques. C'est très clair, lorsque j'ai eu cette première réunion du Conseil supérieur de la défense, le directeur, l'administrateur général de l'ANR avait été convié, je lui ai très clairement expliqué que je voulais humaniser les services de renseignement. On ne pouvait plus avoir des services de renseignement qui sont une police politique et qui se chargent de traquer des gens, évidemment, de mettre les gens dans des cachots d'ailleurs qui ne sont pas aux conditions standards, et de manière illégale, arbitraire. Ça, c'était fini. Et je crois que j'ai été entendu. Et quelques jours après, d'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes avaient été libérés de là. Et j'ai fait passer ce message que je ne voulais plus jamais voir ce genre de choses sous mon règne. Ah oui. On ne peut plus arrêter les Congolais parce qu'ils ont critiqué le président de la République. Donc je ne suis pas... parler d'arrestation parce qu'on a osé critiquer le président de la République.
Merci, félicitations. Tu as fait une beauté. Bonjour à la Koumou. Bon continuer. Bon tirer dans le pouvoir. Si vous connaissez Jésus-Christ à Boya. Bisous, pas de relais, ma binoté. Bonjour à la binoté, Souka. Merci. Et j'ai fait passer ce message que je ne voulais plus jamais voir ce genre de choses sous mon règne. Ah oui. On ne peut plus arrêter des Congolais parce qu'ils ont critiqué le président de la République. Non, je ne suis pas. Peuple pour la reconstruction et la démocratie, je perdais un sigle. Parti cher au président honoraire de la République démocratique du Congo, son excellent Joseph Kabila Kabange, dénonce avec véhémence l'enlèvement de son secrétaire national en charge de la communication et médias, Jimmy Kitenge Manganda, par des agents de service de sécurité de la NER, selon les témoins présents, lourdement armés avec des véhicules sans plaque d'immatriculation. C'est mardi 26 juillet 2022, aux environs de 7h30 du matin, à l'entrée de la chaîne de télévision CCTV sur le boulevard du 30 juin, où il était invité à participer à l'émission Rendez-vous des auditeurs du journaliste Meda Liwoso. Pour toutes les violations des droits de l'homme et des libertés publiques contre les membres de l'opposition politique en général et du PPRD en particulier, commises par ces régimes agonissant et finissant, le PPRD exige la libération sans délai et sans condition aucune de notre camarade Jimmy Kitenge Manganda. Le PPRD prend en témoin la communauté tant nationale qu'internationale, ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme et des libertés publiques, sur le recul de la démocratie dans notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la démocratie dans notre pays, que vive l'opposition, que vive le PPR. Vigilez les camarades, on va naïveler.